Si vous êtes fasciné par les camions sur la route, vous pourriez l'être tout autant par ce qui se passe sous le capot. Ça tombe bien, réparateur de poids lourds est une des formations proposées par l'IFAPME qu'on va découvrir aujourd'hui chez Caravenue à Liège. Renaud, bonjour, vous êtes directeur général de Caravenue ici à Liège. Alors ici on vend et on répare des voitures, mais alors c'est plus original, également des camions, des poids lourds. Caravenue, c'est un groupe européen qui est présent sur 4 pays et donc l'activité camion est quelque chose pour nous de très important. Et ici sur le site de Liège, ça représente notamment dans l'atelier où nous nous trouvons 25 entrées par jour. Est-ce qu'on retrouve des différences au niveau du métier de réparateur entre des voitures et des poids lourds ? Un moteur reste un moteur. Maintenant, en termes de technologie, effectivement, il y a parfois des évolutions et des différences. Par exemple, le pneumatique en camion est très important puisqu'on parle des systèmes de freinage. Tout ce qui est hydraulique aussi est beaucoup plus important qu'au niveau d'une voiture. Alors, on le sait, réparateur de poids lourds, c'est un métier en pénurie parce qu'il y a plus de camions sur les routes ou juste moins d'experts pour le moment ? Il y a effectivement probablement plus de camions sur les routes, mais c'est un métier technique qui est en pénurie. Et donc on essaie de se faire connaître. Le métier a fort changé en 20 ans. On est maintenant vraiment dans des technologies embarquées, dans de l'électronique. On parlait de l'électrique, on parle de l'hydrogène, on parle de toute une série de techniques qui arrivent, de nouvelles générations. Ça rend aussi le métier plus attractif. Allez, on continue la visite ? Avec plaisir. Salut Anis. Bonjour. C'est bien que tu portes le camion à bout de bras comme ça, ça fait plaisir. T'es fan de camion toi ? Bah oui. Ça tombe bien parce que tu es apprenti stagiaire en ce moment à l'IFAPME. Tu en es où dans ton cursus ? J'en suis à la dernière année, j'ai fini dans quelques mois. Tu comptes rester ici chez Caravenue ou bien peut-être lancer ton propre business ? Plutôt rester ici, c'est ce qui était prévu depuis la base de ma formation, donc okay. Ce sera la continuité. Quoi. Alors ce qui est particulier, c'est que toi tu sais réparer ces camions mais également les conduire. Oui, c'est ça, j'ai passé mon permis début septembre. Mais c'est toujours beaucoup plus intéressant, ne serait-ce que pour faire un contrôle après une réparation qu'on a fait sur route. Ouais, j'imagine. Bon, je te laisse peut-être bosser sous ces 15 tonnes de ferraille, c'est pas mal quand même. Hein. Merci. Alain, vous êtes référent à l'IFAPME pour cette formation de réparateur ou réparatrice hein, en poids lourd. En quoi est-ce qu'elle consiste cette formation ? Donc, c'est une formation chef d'entreprise qui permet à la personne d'obtenir l'accès à la profession, un diplôme qualifiant. Et je vais dire un bagage technique et pratique intéressant. Quand est-ce qu'elle débute cette formation ? En janvier, en septembre ? Oui, donc ce sont des formations qui sont basées sur des calendriers scolaires. Donc en fait, les formations démarrent à partir de septembre, se terminent en juin au niveau des cours. Mais par contre, au niveau de l'entreprise, la personne continue à travailler dans l'entreprise tout à fait normalement, dans le cadre d'une convention de stage qui permet d'allier les cours, 8 heures de cours par semaine, et 30 heures en entreprise. C'est très clair, merci beaucoup Alain. Donc rendez-vous du côté de l'IFAPME pour plus d'informations sur cette formation et puis sur waldorado.be pour découvrir toutes les offres d'emploi disponibles partout en Wallonie.